L'orthopédagogue est là pour enrichir et soutenir et s'assurer que les mesures en place répondent bien aux besoins de l'apprenant. Elle est là pour soutenir les enseignants dans les nombreuses mesures à mettre en place, pour collaborer avec eux, mais aussi pour les outiller. J'ai toujours voulu faire une différence pour les élèves parce que je savais fort heureusement que chaque élève avait sa propre façon d'apprendre. Je fais mon quotidien. Les élèves ouvrent la porte. Bonjour, Madame Sophie! Ça arrive souvent. Je m'appelle Sophie Lagacé, je suis orthopédagogue. Ça fait déjà 18 ans que je travaille dans de nombreuses écoles. Suite à la COVID, c'est sûr que je pense que ça a mis un mouvement de changement dans les écoles. Les gens ont été un peu déstabilisés et j'avoue que moi aussi, j'ai été un peu déstabilisée par la situation. Mais je suis une fille très proactive, donc aussitôt que c'est arrivé, je me suis mis en mode solution. Au niveau de ma pratique, je vous dirais que ma relation avec l'élève n'a pas changé. Dans le fond, c'est vraiment par rapport au médium, mais ils sont quand même bons, ils sont quand même forts et résilients aussi, les élèves. On ne connaît pas toutes leurs capacités, puis je trouve que c'est quelque chose qu'il faut exploiter avec eux, les médiums technologiques. De toute façon, c'est à long terme, on le dit, puis on le prône que la technologie va prendre la place, et je pense que c'est un moment parfait pour pouvoir l'utiliser comme levier pour les années futures. Moi, je pense que quand j'étais à l'université, je suis tombée dans la potion magique de l'orthopédagogie. J'ai toujours pressenti que c'était mon métier, que ça allait être celui qui allait me guider toute ma vie. Dans tout mon parcours, j'ai rencontré des élèves formidables, des élèves qui m'ont permis de toujours être novatrice. Je ne voudrais rien changer à ça. J'aime trop ma profession parce qu'elle m'amène à ouvrir des portes qui sont différentes dans mon parcours. Et c'est ce qui m'émerveille toujours encore aujourd'hui, même après 18 ans de carrière dans ma pratique professionnelle.